Bienvenue sur Infos Express. Aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses des négociations secrètes entre le régime algérien et la junte militaire de Niamey. Des discussions d'une importance capitale pour l'avenir du Sahel et les relations régionales. Installez-vous bien, car ce qui se passe en ce moment pourrait bien redessiner la carte géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Tout commence avec l'Alliance des États du Sahel, une nouvelle coalition formée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les militaires au pouvoir dans ces pays cherchent à se positionner face aux influences extérieures, et l'Algérie joue un rôle clé dans ces enjeux. Lors des récentes discussions, l'Algérie et le Niger ont abordé des sujets sensibles comme la coopération sécuritaire et militaire, la relation de l'Algérie avec les puissances occidentales, et surtout, son implication avec des groupes armés au Mali et au Niger. Ces tensions ont conduit Niamey à envoyer une délégation de haut niveau à Alger, menée par le Premier ministre nigérien et le ministre de la Défense nationale. Mais pourquoi ces négociations sont-elles si cruciales? Les nouveaux dirigeants du Sahel exigent de l'Algérie qu'elle cesse de soutenir les puissances occidentales, en particulier la France et les États-Unis, et qu'elle adopte une position neutre dans les conflits internes du Mali et du Niger. En échange, l'Algérie cherche à garantir que ses intérêts dans la région, notamment face à la montée de l'influence du maréchal Haftar en Libye, soient protégés. En fin de compte, ces négociations pourraient bien déterminer la future stabilité du Sahel, une région cruciale pour la sécurité nationale de l'Algérie. Restons attentifs à ces développements, car ce qui se joue en ce moment pourrait avoir des répercussions majeures sur toute la région. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager si vous avez trouvé ce contenu intéressant. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines analyses géopolitiques. À bientôt! Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.